Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien, c'est votre homme serviteur Ritor. Et les fans des Débordeaux, j'espère que vous allez bien aussi, hein, parce que moi je pète la forme, je vais superbement bien. Je suis en train de grossir. Tout ça c'est grâce à vous les amis. Voilà. Merci encore pour votre soutien, merci de continuer de vous abonner, de partager mes vidéos, de liker et tout ça. Merci. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le micro-trottoir. Je suis juste en train de vous regarder. C'est en fonction de vos réactions que je vais commencer à balancer. Le micro-trottoir. Si, on parle de Débordeaux Likoufa aujourd'hui. Oui, Débordeaux Likoufa. C'est bizarre, les gens parlent, ils bavardent. Mais le mec, les sollicitations fusent de partout. Je sais pas si vous vous en rendez pas compte, mais vous parlez quand même de Débordeaux Likoufa. L'un des artistes coupés décalés les plus aimés, les plus adulés. Voilà, donc il faut avoir un minimum de respect. Voilà, même si vous ne l'aimez pas, il faut avoir un minimum de respect. Parce que les Débordeaux Likoufa, c'est une grosse pointure de la musique ivoirienne. Voilà. Donc les amis de l'Europe, soyez prêts, hein, soyez prêts. Soyez prêts parce que les Débordeaux Likoufa arrive pour tout massacrer encore. Voilà. Il prend le temps de bosser dur, de vaquer à quelques occupations. Et puis après, il viendra vous servir tranquillement. Voilà. Donc, sachez que Débordeaux va très très bien. C'est votre humble serviteur Irito qui vous le dit. Donc, soyez rassurés. Et sachez que 2019 ne sera pas une année comme 2018. Voilà. En 2018, il y a eu beaucoup de soubresauts, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de tu as dit, on a dit, ils ont dit. Comme on dit, toi a dit, moi a dit. Ça ne sera pas le cas en 2019. De toute façon, en 2019, Débordeaux Likoufa, c'est une nouvelle version. Voilà, il réserve beaucoup, beaucoup de loups. Il va venir encore couler le bec de tous ses détracteurs. Voilà, il faut avoir un minimum de... C'est ça pour Débordeaux Likoufa, hein, c'est pas petit l'homme. C'est pas petit l'homme. C'est gros quelqu'un. C'est dur. Voilà. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas la force de frappe de Débordeaux Likoufa. Mais sachez une chose aussi, c'est que Débordeaux Likoufa est un artiste qui ne peut pas descendre maintenant. Je vous ai déjà dit, s'il doit descendre, c'est qu'il a décidé volontairement de ne plus chanter. Donc, souffrez encore de le voir sur le chiquier musical ivoirien, a fait mal avec beaucoup, beaucoup de tubes. Je vous l'ai dit, 2019, ce n'est pas 2018. Ça va chauffer. Voilà, ça va vraiment chauffer. Donc, chers fans de Débordeaux Likoufa, restez serein et demeurez fan de Débordeaux Likoufa à vie. Voilà. Au passage, j'ai bien envie de dire quelques mots à ces idiots des fans là qui racontent n'importe quoi, comme quoi ils veulent saluer le nom de Didier Arafat, ils veulent le boycotter et tout ça. Ça sert à rien, les amis. Il faut réfléchir avec votre cervelle. Bien le contraire, vous le grandissez. La meilleure manière de dire à quelqu'un que tu ne t'intéresses pas à lui, c'est de l'ignorer. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais je pense que vous vous ridiculisez quand vous agissez ainsi. Voilà. J'ai vraiment pas envie de vous dire votre nom parce que vous n'en valez pas la peine. Vous n'avez aucun poids. Vous, à la limite, comme on dit, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Ce qui est malheureux, c'est que un artiste comme Débordeaux Likoufa n'a pas le courage de vous dire d'arrêter vos bêtises. C'est ce qui n'est pas intéressant. Parce que sans le savoir, Débordeaux Likoufa, quand tu as des idiots comme ça, des ânes comme ça qui font des vidéos à la con, comme quoi au nom de toi, ça ne fait que saluer ton nom. Ça ne fait que saluer ton nom et ça ne t'arrange vraiment, vraiment pas. Il faut réfléchir pas deux fois d'abord. Il faut réfléchir pour voir est-ce que le bon fan, c'est celui qui est là, comme quoi, comme il est trop fan de moi, il raconte tout et n'importe quoi sur moi et sur les autres artistes, ou bien le bon fan, c'est celui qui agit quand il faut et comme il faut. En tout cas, c'est malheureux. Franchement, les amis, c'est malheureux de votre part. Je comprends pourquoi votre niveau intellectuel est très, 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 très bas. Et pourquoi vous n'avez pas eu la chance d'être cultivé ou d'être allé à l'école. Je comprends. Mais il y a des personnes qui ne sont pas allées à l'école que je connais, qui sont très très intelligentes, qui sont extraordinairement sages. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas le cas avec vous.
et c'est pathétique. Voilà. Donc, chers fans du coupé décalé, si je dis pas le nom de ces derniers-là, c'est pas par peur, c'est parce que ce serait trop leur faire la pub. Voilà, ce serait trop faire la pub. Si vous remarquez bien, moi je ne dis pas de mes clashs, hein. Je réponds et puis j'avance. Ça gueule, gueule derrière moi, mais moi je continue. Et puis c'est bizarre, ce que vous devez savoir avec Eritor, c'est que Eritor est abonné à certaines pages. Il commente même les vidéos de certaines personnes par moment. Mais il y a des pages que je regarde peut-être avant, que je regarde plus aujourd'hui. Il y a des pages même que j'ai jamais regardées. Voilà, donc quand vous m'envoyez des informations, vous pensez que je fais exprès, mais j'ai jamais vu les vidéos là. Voilà, j'ai jamais, jamais, jamais vu ces vidéos là. Donc, comme j'ai écho, et souvent comme vous m'envoyez des bouts de vidéos en inbox, c'est pourquoi j'envoie ce message à quoi. Hein, les amis, réfléchissez avec votre cervelle, réfléchissez avec votre tête. C'est pas ça défendre son artiste. Bien au contraire, c'est ternir l'image de son artiste. Voilà. Donc, chef fan de Dibadou Ikoufa, restez serein. En tout cas, Dibadou Ikoufa se porte superbement bien. Laissez les gens parler. On verra jusqu'où les choses pourront y aller. Et sachez qu'il vous réserve beaucoup, 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 beaucoup de surprises pour 2019. Beaucoup, beaucoup de surprises. Le silence est l'arme des forts. Il faut retenir cela. Voilà. Deuxième sujet de la vidéo, c'est Mola. Oui, je veux parler de Mola parce que c'est un acteur du coupé décalé qui m'inspire beaucoup. Voilà, j'ai fait souvent des vidéos pour lui dire certaines vérités. Parce qu'il était le grand frère, parce qu'il était l'aîné, parce qu'il était le boss du mouvement. Mais au fond, c'est beaucoup d'admiration pour ce dernier-là. Parce que je fais cette vidéo à propos de lui parce que j'ai regardé une vidéo sur RTI officiel. Voilà, sur la chaîne YouTube de RTI où on parlait du Mola. Et j'ai été agréablement surpris parce que c'est un battant. C'est un battant. Moi, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de la DS7 et tout ça parce que chacun a sa raison. Voilà, c'est ce que je veux que vous compreniez aussi. Chacun a sa raison. Le mec a peut-être des défauts, le mec a peut-être déconné à un moment de sa vie, mais ça ne fait pas de lui un monstre. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire. Donc, si je fais cette vidéo, c'est d'abord vous inciter à avoir beaucoup d'admiration pour ce dernier-là parce qu'il fait beaucoup pour la musique ivoirienne et il fait énormément. Voilà, c'est un acteur majeur du showbiz. Et ce qui me plaît, à part sa casquette de showbiz, man, il est un grand homme d'affaires. Voilà. Je crois qu'il a plus de 3 ou 4 sociétés, M Group, 10 Positif et M Pro des consorts. Franchement, c'est un loup gars. Actuellement, là, je ne parle pas de celui qui a l'influence sur les fans. Non, c'est pas ce que je veux. Je parle de quelqu'un qui a du poids dans le showbiz ivoirien. Je pense que quand on parle de Salfo, il faut parler aussi de Mola. Parce que c'est un grand monsieur. Il est en train d'écrire son histoire. Avec beaucoup, beaucoup de turbulences, de péripéties, mais il avance très, très bien. Voilà. Au moins, j'ai respecté ce monsieur-là, c'est pendant l'organisation du Prumud, où on était tous mécontents parce que nos artistes n'y participaient pas, mais le mec, il est resté serein. Et puis, son événement fut un énorme succès. Le Festi Coupé Décalé, c'est-à-dire les 3 jours de fête avec les artistes, était bondé de monde, mais franchement, le mec, il maîtrise sa chose. Voilà. Tu peux ne pas aimer, mais il faut respecter, c'est ce que je vous dis aussi. Tu peux ne pas aimer, mais il faut vraiment, vraiment respecter. Et moi, je vais passer cette vidéo-là, d'abord m'excuser pour tous les manquements de mes précédentes vidéos. Voilà, mais il faut savoir que le Mola, tu es un admirateur, qui est irritant, et puis je serai là à parler de toi tant que tu feras de bonnes choses. Voilà, moi, je suis très content. Je suis très content d'avoir un gars comme ça qui est en train d'écrire son histoire, comme John Jazzy de Nigeria. Voilà, un grand, grand businessman, un grand homme d'affaires. Et ce qui me plaît, un homme d'affaires qui attrape toujours le micro. C'est tellement extraordinaire. Est-ce que c'est pas joli ça, les amis? Est-ce que c'est vraiment, vraiment pas joli ça? Donc, c'est des personnes qui méritent quand même un hommage. Hein. C'est vrai qu'il a ses défauts, mais il fait partie des personnes là, qui ont envoyé ce mouvement-là. Et puis, tout le monde mange. Et quand je parle de tout le monde, je parle d'Aishika, Didier Arafat, je parle de Desbordeaux, je parle de DJ Mix, je parle de Serge Beno, je parle de Kejibara, je parle de DJ Léo. Donc, c'est un vieux de la vieille. Mola, c'est pas n'importe qui, ça faut le savoir, les amis. Pour ceux qui veulent comprendre ce que je suis en train de dire, vous partez sur RTI officiel et puis vous tapez Mola. Je sais que la vidéo où on faisait le reportage sur sa vie va beaucoup vous inspirer et puis va vous donner plus d'arguments. Donc, moi je suis très content, très très content du Mola, de son parcours et tout ça. Et on espère bien suivre ses traces. Voilà. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. C'était la vidéo du jour qui parlait de Desbordeaux et du Mola et de certaines fans très idiots et tarés. Donc, passez une agréable journée. C'est votre humble serviteur Ritor et je pense qu'on se prend
dans quelques heures. Ciao, ciao les amis. On est ensemble. On est ensemble, on est ensemble.